biso tema. Ayo bantule. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour pour ce quartier de Karama et un grand jour pour tous les parents d'élèves. Aujourd'hui, moi, étant le représentant de la Soterma, au nom du directeur général de la Soterma, je peux même dire au nom de toutes les structures qui sont dans les TIC. Donc, nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement pour IFTI. Mesdames, Messieurs, à vos rangs et qualités, ce n'est pas facile de prendre la parole devant un éminent professeur comme Traoré qui a presque tout dit. On ne peut plus être clair comme D'accord, vous savez, moi qui suis de la Soterma, votre promoteur, le grand PDG de tous les temps, M. Timoro Mamadou. Comme les gens, réellement dans ce pays, les gens occultent l'histoire. Il faut connaître l'histoire pour pouvoir s'installer dans une position sociologique, en tout cas dans le temps. Les télécommunications au Mali, même dans l'Afrique, la sous-région, votre promoteur, M. Timoko Mega, c'est l'un des promoteurs. C'est un leader. Vous qui êtes issu de cette formation, IFTI, qui veut dire la formation en télécom, ça veut dire que vous êtes parmi les experts, les choyés de ce pays. Parce que qui dit télécom, c'est la vitesse de la lumière. Nous travaillons dans la vitesse de la lumière. Moi, je suis un exemple qui puisse beaucoup illustrer. Parce que beaucoup de vos étudiants, beaucoup de vos stagiaires ont passé par nos structures. Et mieux encore, ils ont même été recrutés sur les marchés avant qu'ils ne terminent. Pour que nous, les opérateurs de télécommunications, nous avons besoin de vous. Et pour que nous, maintenant, on a essayé quand même de faire un système chez nous. C'est-à-dire, c'est externaliser certaines de nos fonctions qui sont détenues par des experts multinationales tels que Huawei, les Siemens, etc. Les gens sont là-bas. Ils travaillent, ce sont des chefs d'équipe. Nous méritons en tout cas l'air par vous. Nous savons qu'ils ont été bien formés. Tout comme moi, je conseille, et je vous conseille, les étudiants, de ramener beaucoup de vos camarades, beaucoup de vos frères, réellement, qui doivent venir étudier dans les télécoms. Les télécoms, c'est un métier d'avenir. Les télécoms, qui fait télécom, vraiment, sauf s'il n'est pas resté, il n'a pas chômé. Et maintenant, vous avez eu la chance d'avoir cette formation ici. Et si je ne me trompe pas, il y a le niveau supérieur encore et à la diplôme. Donc faites tout. Quand vous terminez ceci, allez vers là pour pratiquer vos études en télécommunication. Et vous serez les leaders de la solution. Parce que IFTI, vraiment, c'est une très grande formation. Ça, il faut considérer la vérité, c'est le nom de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes mieux formés que ceux que le professeur a dit que les anciennes formations, parce que vous êtes à la pointe des TIC. Ça, un chapeau pour vous. Applaudissez pour vous. Maintenant, dites à vos parents,
le marché de l'emploi, vraiment, c'est pas facile, mais à IFTI, dans les télécoms, il y a toujours la place. Nous sommes trois opérateurs, bientôt il y aura le quatrième opérateur et ça fera de l'emploi pour vous. N'hésitez pas, inscrivez-vous dans cette filiale. Vraiment, c'est bien pour vous et pour vos enfants et pour vos familles. Sans complaisance, vous êtes les meilleurs en termes de télécommunication et d'informatique. Le directeur général de la Fédération, il a tenu à ce que j'adresse ses sincères remerciements à l'encadrement, au corps professionnel et à vous les étudiants. Donc dès que vous terminez, nous vous attendons à bras ouverts. Vraiment, on est très content de vous. Avant que je termine, je formule les vœux que Dieu fasse en sorte tous ceux qui sortent de cet établissement, nous demandons tout puissant à l'omnipotent, vraiment que vous soyez utilisés dans le marché de l'emploi. Amen. Nous demandons à Dieu, le tout puissant, le très miséricordieux, le sage, de vous assister. Et en tout cas, tous ceux qui emboîteront en tout cas l'outil jusqu'à la licence professionnelle ou au-delà jusqu'à la maîtrise en télécom, nous demandons à Dieu vraiment de faire de ces étudiants de l'outil un des champions au niveau de la société. Amen. Ceci, nous demandons à Dieu vraiment que Dieu bénisse. Et que Dieu bénisse l'IFTI, que Dieu bénisse le corps professionnel, que Dieu bénisse les étudiants. C'est pour les raisons. Et nous demandons à tout, à Dieu, vraiment, d'exaucer toutes vos aspirations. L'aspiration, c'est l'emploi. Et que Dieu vous garantisse ça. Amen. Tous ceux qui passeront par nous. Al-Fatiha. اللهم أجل ما أشر موفقا لما أشر وما أنا أبا أشر في الله فما الله في أشر لا أجحد عبد وشعر ما كان إلا الله أشر فالدف بما فيما أشر وما تشعون إلا أن يشاء الله رب العالمين ربنا أطلانا من لنا نورانا وخلانا إنك على كل شيء قدير ربي أعوذ بك من حمزة الشيطان وعوذ بك ربي أن يضرون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم رب العالمين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Monsieur, attends, avant de quitter, on a une surprise à vous donner là. Voilà. Un solité, c'est un solité. Voilà. Ah, avant de dire au Didi. Monsieur, si vous ne dansez pas, vous allez payer. Hein? Merci beaucoup. Chers invités, chères autorités scolaires, chers étudiants, veuillez vous lever pour accueillir comme il se doit la locomotive, celui qui a osé et qui a reçu. Nommé M. Maïga Tchemoro, le PDG de l'IFTI. Thank you.
Monsieur et Mesdames les honorables invités ici présents, Monsieur et Mesdames les parents d'élèves, Monsieur le promoteur, Mesdames, Messieurs les parrains, Mesdames, Messieurs les enseignants du corps professoral de UFTI et UPFTI, Messieurs les animateurs de la journée, très chers élèves de UFTI et UPFTI, aujourd'hui, nous sommes retrouvés avec la grâce de Dieu à la deuxième édition de la journée culturelle de UFTI. Nous remercions Dieu pour nous avoir accordé ce privilège et félicitons-nous pour avoir pu vivre ce petit moment. Donc, au nom de tous les élèves, au nom du corps professoral, oui, je remercie tous les invités qui sont ici présents. Applaudissez pour vous-même. Ici à UFTI, nous sommes dans un établissement qui a été créé en 2010. UFTI a été créé par la volonté de quelques ingénieurs. Des jeunes ingénieurs de télécommunication regroupés au sein de la société d'installation et de dépannage d'entretien de télécommunication, la société Syntic. Ces jeunes ingénieurs ayant constaté que dans l'ensemble de ce pays, le monde de l'éducation a oublié une formation à donner aux enfants de ce pays, c'est la formation en télécommunication, la formation en technologie de l'information, de la communication. Alors que nous sommes à l'ère de l'information, c'est ça le paradoxe. Donc ce vide, il fallait le combler. Donc ce sont ces jeunes ingénieurs patriotes de leur état qui ont compris ce déficit, ont tenu à combler ce déficit. Voilà comment UFTI a été créé. Mais vous savez, quand on démarre une entreprise, c'est forcément avec des difficultés. Forcément, qu'on ne veut pas. Même si vous avez tous les moyens financiers, mais le management va poser problème. À plus forte raison si vous n'avez pas tous les moyens financiers. Donc, nous avons trébuché ensemble au moment de la création de UFTI. Mais nous sommes parvenus à nous ressaisir à partir de 2011, où nous avions pu mettre en place une direction collégiale, dont le directeur général Timogo Meiga, directeur de la formation de Petit Dogon, Salif Djigiba. Et nous sommes donné la main, nous avons dit, il faut faire de UFTI une école professionnelle. On est sorti des considérations. Parce qu'à l'époque, on formait des élèves en électricité, on formait des élèves en comptabilité, etc. Nous avons dit, les matières tertiaires, il faut les mettre de côté. Faisons de UFTI une école professionnelle. Ce qui nous a amené à réfléchir sur la marche à suivre. Et Dieu faisant les choses, nous avons été vers le corps supérieur multinational des télécommunications de Dakar, solliciter son concours pour que ensemble nous mettions en place une école digne du nom qui puisse respecter les normes internationales et régionales et sous-régionales et faire de cette école une école nationale. Et voilà comment nous avions créé ce que vous connaissez bien, les filières BT Télécom, BT Informatique de Gestion,
VT informatique maintenance, tout en gardant à côté la filière comptabilité. Les professeurs, nous les avons recrutés, et je pense, Bocard l'a dit tout de suite dans son allocution, les professeurs ont donné d'eux-mêmes, le meilleur d'eux-mêmes. Mais malheureusement, nous avons un de nos partenaires qui s'est levé, il est parti pour une commission urgente. Je vais parler de Youssouf Konandji. Il était à l'époque chef de la division pédagogie, au niveau de la direction de la pédagogie, chef de la division des programmes. Quand nous avions élaboré les programmes de UFT, on a compris qu'au niveau du Mali, il y a effectivement un besoin de formation, de programme, et ensemble, sur recommandation de la direction de la pédagogie et de l'enseignement secondaire, professionnel et technique, nous avons traduit tous nos programmes suivant l'approche APC, l'approche par compétence. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté, en temps et en finance, pour faire valider nos programmes et en faire des programmes nationaux. Et voilà, nous avons réussi à transformer UFT pour en faire de UFT une école nationale. Applaudissements très fort. Et c'est pourquoi le professeur Bouakar Traoré vous a dit que l'école est devenue une école pilote, est devenue une école exemplaire. C'est vrai qu'on n'a pas arrêté de nous tarir d'éloges au niveau du département de l'éducation nationale pour dire que nous sommes une école exemplaire. Et que nous constituons aujourd'hui l'école, l'unique école qui œuvre dans ce domaine. Et là, permettez-moi d'adresser toutes les félicitations et tout le remerciement au corps professoral pour tous les efforts qu'il n'arrête de fournir, et aussi à vous les élèves, parce que vous avez été aussi des élèves disciplinés, des élèves exemplaires, en commençant par vos aînés d'abord, jusqu'à votre tour aujourd'hui. Et j'espère bien que l'école va continuer dans ce sens, dans cette dynamique qui doit vous permettre de sortir comme des diplômés responsables. Et vous avez entendu tout ce qui a été dit ce matin, ça doit vous encourager. Et je crois que vous devez savoir que UFT est une école de formation professionnelle qui doit vous permettre, vous, de pouvoir rapidement travailler dès que le boulot est ouvert. Et je souhaite à tout un chacun une bonne fin d'études et surtout acquérir un bon travail. Qu'est-ce que nous attendons de UFT? Pour parler de ce que nous attendons de UFT, nous sommes obligés de parler des efforts de nos partenaires. Vous savez, UFT, je vous ai dit que c'est les ingénieurs de Saint-Tic qui sont à la base de la création de UFT et qui n'ont jamais arrêté de ménager les efforts pour permettre à UFT d'aller plus loin. Et c'est pourquoi, Bocard l'a dit tantôt, un de nos partenaires qui nous permet, nous, de faire la différence avec les autres, c'est que nos élèves, nos étudiants ont la possibilité d'avoir rapidement des stages auprès de Saint-Tic. Je crois que ça, nous félicitons Saint-Tic pour cette initiative et surtout pour cette ouverture. Nos partenaires, le représentant de l'assotellement vient de prendre la parole au nom du directeur général de l'assotellement. L'assotellement est pour nous un partenaire privilégié. L'assotellement n'arrête pas de nous accompagner dans la formation, dans votre formation. Donc encore applaudissez pour l'assotellement. Orange Mali n'est pas là, mais Orange Mali est aussi un de nos partenaires privilégiés qui permet à nos élèves de pouvoir faire des stages à son sein. Et aussi, nous avons eu la chance de recevoir
et d'équiper des laboratoires ici dans ce centre par Orange Mali. Donc applaudissez pour Orange. Partenaires, nous avons la GETIC. La GETIC est un de nos grands partenaires avec qui nous pensons faire beaucoup de chemin ensemble, Inch'Allah, dans l'avenir. Donc je crois qu'applaudissez pour la GETIC. Partenaires, la Poste. La Poste. Ça vous surprend? Ça vous surprend? En quoi nous sommes liés à la Poste? Nous n'avons pas de filière postale. Nous n'avons pas de lettres à poster. Mais nous avons un partenaire, c'est la Poste. Applaudissez pour la Poste. Applaudissez. Et dites-vous une chose. C'est que tout ce secteur des télécommunications est réglementé. Le régulateur de tout ce secteur, c'est l'ANRTP. L'Agence malienne de régulation des télécommunications et de la Poste. Mais l'ANRTP n'a jamais arrêté de nous assister, de nous accompagner et de nous équiper. Donc c'est pour vous dire que l'ANRTP est aussi un partenaire privilégié de l'UFTI. Applaudissez tout d'abord. Applaudissez très fort. Encore une des sociétés phares de l'échiquier des télécommunications du Mali, Huawei. Huawei. Applaudissez pour Huawei. Applaudissez pour Huawei. En dehors de ces partenaires professionnels, nous remercions le ministère de l'Éducation avec ses services déconcentrés. Et ce ministère d'Éducation. Le ministère de l'Éducation. L'Éducation. Avec ses services déconcentrés, notamment la direction de l'enseignement technique et professionnel, notamment la direction de la pédagogie, l'académie de la rive droite et les inspecteurs, l'inspection générale. La direction des concours et examens, parce que nous travaillons avec tout ce beau monde pour valider nos programmes, pour valider vos modules. Chaque fois que nous avons fait des appréciations, ils sont là, présents, pour prouver effectivement que les choses se font correctement. Et ce qui fait que vous avez le diplôme national. Applaudissez pour tous nos partenaires. Merci, merci très fort. Alors, je dis, si on doit attendre quelque chose de l'UFTI, c'est bien d'avoir un diplôme et un diplôme national. Mais qu'est-ce qu'on attend de l'UFTI? On attend de l'UFTI dans le futur. L'UFTI doit évoluer. Nous sommes dans un monde dynamique, évolutif. Les télécommunications, la technologie de l'information et de la communication. Donc, nous sommes inscrits dans un programme qu'on appelle Procège, et à travers ce programme, et nous souhaitons avoir mieux équipé encore l'école, nous permettre de créer de nouvelles filières. Donc nous avons l'intention de créer de nouvelles filières pour nous adapter à l'évolution technologique. Et si nous créons de nouvelles filières, nous pensons aussi améliorer davantage la formation au sein de l'UFTI. Et tout ceci doit être couronné par le fait que l'UFTI, dans 2 ans, d'ici 2020, doit être une école internationale. Nous serons prêts à récupérer les formations des élèves venant de la France. Voilà ce que nous attendons dans le futur proche de l'UFTI, faire de l'UFTI une école internationale. Alors, chers élèves, chers parents d'élèves, aidez-nous à renforcer la discipline au sein de l'école. Aidez-nous à faire de l'UFTI un lieu de rencontre et de savoir. Aidons-nous pour que les sortants de l'UFTI soient effectivement des travailleurs exemplaires et surtout des travailleurs pilotes. Inch'Allah. Maintenant, si nous revenons à notre journée qui nous réunit aujourd'hui, c'est quoi? Nous disons la deuxième édition de la journée culturelle. Alors, mes mots de remerciement vont d'abord vers le club des amis de l'UFTI, qui sont les principaux organisateurs de cette journée. Les amis du club, la direction de l'UFTI vous salue. La direction de l'UFTI vous remercie. Et la direction de l'UFTI vous dit courage. Nous sommes ensemble.
Merci beaucoup. À tous ceux qui sont présents, je souhaite une bonne journée culturelle. Nous avons déjà eu l'occasion de savourer certains éléments. J'ai entendu beaucoup de personnes rire, j'ai vu beaucoup de personnes danser, et je pense que ce qui va arriver par derrière sera encore meilleur. Je vous remercie. Inch'Allah. Applaudissez. VIP, yeah, malien de ben VIP, paro casquette galani team kaki, non, coca grico Kadhafi, ego Kadhafi, ego Kadhafi, I'm a VIP, yeah, malien de ben coca grico, I'm in a for Kadhafi.